Alors, l'Airbus que nous avons la joie de vous présenter maintenant, c'est cet Airbus que vous voyez devant nous ici. Il s'agit de Dicrostakis Cinerea, avant on l'appelait Glomerata. Et cet Airbus se trouve en général dans la zone de savane, hein, l'endroit donc relativement sec, hein, terrain parfois difficile même. Donc il va mesurer en général, disons, celui-là il fait quoi? Environ 2,50 m, hein? Mais sinon il peut atteindre jusqu'à 5 mètres, selon que le terrain soit favorable ou pas. Alors, cet Airbus a un tronc qui est, on peut voir, peut-être en tournant derrière, hein? Un tronc qui est plus ou moins écaillé. Alors, je ne sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus. Alors ça comporte des épines. Hein, on va parler tout à l'heure des épines. Hein. Mais on peut voir le tronc là, c'est plus ou moins recouvert d'écailles. D'ailleurs, le bois est un bois très très dur. C'est pour ça qu'il va trouver de multiples usages, hein, dont certains nous allons parler un peu plus tard. Mais a priori, par exemple, le bois peut être utilisé pour faire de la menuiserie, notamment les manches pour les outils classiques, hein, du paysan africain, hein, aussi des cannes par exemple pour les personnes âgées. Voilà, donc nous allons décrire un peu plus dans le détail cet arbuste maintenant. Alors, l'arbuste comporte des épines en fait, des épines très très acérées, plus acéré que la plupart des épineux que nous avons vus jusqu'ici. On peut prendre l'exemple de cette épine qui est là, là. On voit la pointe qui est là. Et quand on regarde sa dimension, on voit que l'épine là peut atteindre jusqu'à, hein, jusqu'à 4 cm de long. Donc c'est très atterré, acéré. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est que on voit deux bourgeons sur l'épine même, c'est le cas ici par exemple, il y a un bourgeon qui a poussé carrément sur l'épine, et les épines donc vont se trouver le long du rameau, hein, de la tige feuillée que vous voyez là. Donc voilà une épine ici, et voilà une autre épine ici qui comporte un bourgeon, hein, un bourgeon au moins. Et puis, ouais, si on regarde un peu plus loin, il y a celui-là qui a jusqu'à deux bourgeons, là, voilà un bourgeon là et un autre bourgeon là. Alors, l'écorce du rameau, oui, si on regarde même un tout petit peu plus près, avant de parler peut-être de l'écorce du rameau, on voit là, il y a aussi là jusqu'à deux bourgeons, et cette épine est très 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 longue. Alors, l'écorce, on voit là, de couleur, comment dire, on va dire de couleur, disons, grise, hein, un peu foncée, avec des légers stries de ton un peu plus clair, hein, là on voit, voilà, donc jusqu'au fond. Et l'arbre va comporter très tôt d'ailleurs aussi, hein, de nombreuses branches, donc la division en branches va se faire très très rapidement. Alors les feuilles, pour décrire les feuilles, on les voit là, hein, qui poussent tout le long du rameau. On va prendre cette feuille, on voit bien que c'est des feuilles composées. N'est-ce pas? Des feuilles composées bipennées. C'est-à-dire, il y a une première division qui ressemble à plume d'oiseau, suivie d'une seconde division qui elle-même ressemble aussi à des plumes d'oiseau. Et on peut voir qu'il s'agit de, hein, de feuilles composées biparipennées. Parce que, on voit là, bon, on va nommer les choses, hein, comme il faut. L'axe principal ici s'appelle le rachis, qui passe au milieu donc de la feuille. Et puis les axes secondaires sont des pinnules. Alors on voit bien que si on prend le rachis, on voit à l'extrémité ici deux pinnules. Donc il s'agit bien d'une feuille paripennée. Alors maintenant biparipennée, parce que si on prend aussi un élément pinnule, eh bien on voit que ça se termine par deux foliolules à la fin. Donc on dit que c'est biparipennée. Alors quant aux dimensions maintenant, nous pouvons voir que, bon, l'axe principal, c'est-à-dire le rachis,
Eh bien, ça va jusqu'à 9 cm sans le pétiole. Hein. Le pétiole est relativement court et vaut combien? Disons pour celui-là, il vaut 1 cm, 1,5 cm, quoi. Alors, quand on prend les petites feuilles, hein, les foliolules, donc ça on l'appellerait foliole, les foliolules, toutes petites feuilles, les dimensions hein, de la partie papier sont de l'ordre de combien? De l'ordre de 1, 2 mm seulement. Tandis que si on prend un élément pilule, hein, vous avez là une dimension qui est de l'ordre de 1,5 cm. Alors, voilà, c'est comme ça les feuilles. Quand on regarde en bas, bien entendu, on voit que la coloration est un peu plus claire, tandis qu'elle est vert foncé vers la partie supérieure. Alors, quand on regarde les pinnules, on peut compter le nombre hein, qu'il y a. Le long de chaque rachis, hein, le nombre de paires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici, 11, pour terminer, on va parler de 12. Hein. Donc ça va être de l'ordre de 10 à 12 paires de pinnules. Alors pour décrire la fleur, nous allons prendre ce rameau. Les fleurs sont en fait groupées en épis. Donc on voit là le reste de ces fleurs ici. Hein. Ce sont des jolies fleurs pendantes quand on regarde l'arbre. Hein. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup actuellement parce qu'ils sont tous passés à l'état de fruits. On voit là de nombreux fruits déjà qui se sont formés. Mais à un moment donné, quand on vient ici, on voit une autre fleur là. Là, un peu derrière, on voit une fleur ici. Hein. Donc les fleurs sont en épi, et on peut dire aussi hein, le long des rameaux, parce que quand on regarde l'endroit où les fruits sont parus, c'est les anciens emplacements des fleurs, donc tout au long des rameaux aussi, de façon axillaire, à l'aisselle des feuilles, on peut voir qu'il y a des fruits. Donc ces fleurs sont, quand on voit l'arbre, hein, c'est très décoratif, ces fleurs sont très jolies, avec deux couleurs. Quand on regarde vers la base, partie pédoncule, on voit que c'est des fleurs qui sont portées par une sorte de queue, donc le pédoncule, on dit. Si on prend celui-là, on peut décrire plus clairement, qui a une longueur de, disons, combien? Une longueur de jusqu'à 3 cm hein, de pédoncule. Et vers la base, on voit une sorte de poil hein, hein, qui est là, de couleur blanchâtre. Hein, et légèrement rosâtre vers les attaches sur le pédoncule. Et le diamètre de ça est plus large, hein, de l'ordre de combien? 2 cm, hein, que la partie pendante qui est dirigée vers le sol, qui est plutôt jaunâtre. Et les deux parties ont disons, des longueurs relativement identiques, de l'ordre de quoi? 2 cm, hein, donc l'ensemble de la longueur de la fleur fait 4 cm. Mais la partie jaunâtre qui est dirigée vers le bas, à un diamètre de l'ordre de, disons, 1 centimètre, quoi, c'est-à-dire 10 mm. Et quand on vient trouver donc l'arbuste, hein, ce qui en fait d'ailleurs un arbre décoratif extraordinaire, bien entendu, il y a des épines, hein, donc il faut faire attention là où on va les placer, peut-être généralement vers les clôtures, mais c'est très beau, c'est extrêmement beau. Nous voyons là un rameau qui comporte de nombreux fruits. On va soulever un peu, en faisant attention aux épines, hein. Et on voit que ce sont des gousses tordues hein, qui sont agglomérées, d'où d'ailleurs le nom qu'on donnait avant à cette plante, on l'appelait Dicrostachys glomerata, hein, une allusion au fait que ces fruits, ces gousses sont agglomérées, donc regroupées comme ça, et un peu tordues. Mais si on regarde le diamètre hein, pour celui-là, de l'agrégat, on va dire, hein, de l'ordre de 4 cm, sur une hauteur aussi de l'ordre de 3 cm. Et si on prend la gousse individuelle, hein, qui est là, hein, voilà, la gousse qui est un peu arquée, hein, tordue, va avoir une longueur, lorsqu'elle est déroulée, hein, 2,5 cm jusqu'à 3 cm. Et donc, ce sont ces gousses qui vont comporter les graines. Alors les graines dans chaque gousse ne sont pas très nombreuses d'ailleurs. Hein. On peut voir, bon, on peut pas montrer les graines, mais si on regarde
les différents anneaux qui se trouvent sur la gousse. Hein. Les graines vont être de l'ordre de combien? 4, 5, 6. En tout cas, pas de graines très nombreuses, mais ce sont des graines droites et la germination est assez bonne. Hein, en fait, à la température de 21 degrés, on peut avoir 100% de taux de germination, ce qui est quand même assez extraordinaire hein, pour cette plante. Alors, cet arbuste a beaucoup d'utilisation, nous avons dit, hein, Dicrostachys cinerea. En fait, c'est une espèce qui va coloniser souvent les endroits qui ont été abandonnés, les champs abandonnés en jachère, donc. Eh bien, le bois est très dur, hein, et on l'utilise pour faire des manches d'outils, on l'utilise aussi comme canne pour marcher, hein, ça fait aussi du bon bois, très bon bois de feu, hein, et du charbon de bois aussi, hein, qu'on va prendre donc, on va prélever on va faire du charbon avec des troncs un peu plus gros. Et l'écorce produit une sorte de fibre solide qui est utilisée aussi par les populations locales. Et bon, il y a différentes applications en termes de médecine par les plantes, hein, de phytothérapie, dont nous allons donner la liste vers la fin de cette vidéo. Donc maintenant, on peut parler peut-être des noms locaux. Par exemple, en Fulani, en Peul donc, au Burkina, eh bien, les Peuls vont l'appeler par exemple Patrulaki. Les Mossi du Burkina l'appellent Susutga. Bon, il peut y avoir des différentes variations hein, sur les appellations, mais quand on part chez les Malinkés du Mali ou encore les Dula du Burkina, hein, ils vont appeler cette plante Tiliki. En Guinée, les Malinkés l'appelleront aussi une Tiliki. Les Peuls de la Guinée vont l'appeler Boulé Bété. Tandis que au Niger, hein, les Armans vont l'appeler Nkoko. Au Sénégal, disons, les Peuls tout couleur vont l'appeler Bourli. Ou encore les Wolofs vont l'appeler Sench. Au Togo, en Ewe, disons, Klika. Bon, donc ça, c'est quelques noms hein, de cette plante, qui est une plante merveilleuse, hein, qu'on a grand intérêt à préserver pour la biodiversité de notre environnement. Et donc, nous pouvons recueillir ces graines, hein, ou alors nous adresser au centre de semences forestières, hein, pour pouvoir les placer soit dans nos champs, soit en clôture, hein, dans nos cours, les cours larges, hein, pour que cette plante puisse continuer à faire partie intégrante de notre environnement. Ensuite, il y a de multiples avantages sur le plan de la phytothérapie. Nous allons les lister à la fin de cette vidéo.